Après plusieurs semaines de vacances, les marmailles de Saint-Joseph se préparent à retrouver leur salle de classe. Ils seront ainsi 5 200 élèves à retrouver le chemin des écoles dès ce jeudi. Un chiffre stable, mais correspondant néanmoins à une progression de 5,11% des effectifs depuis 7 ans. Cette année, une vingtaine d'écoles ont été inscrites au cœur d'un plan d'entretien global assuré par près de 400 agents communaux. L'occasion pour le directeur des services techniques de la commune, Jean-Luc Gonneville, de dresser un tableau des actions réalisées. Il faut distinguer deux types de travaux. On va appeler effectivement les menus travaux, c'est les travaux d'entretien dans les différents établissements scolaires qui font suite à des demandes de la communauté donc éducative, y compris donc les parents d'élèves. Et ensuite, on a les travaux neufs, je dirais, qui nécessitent, par exemple, ici, au niveau du site de l'école des Lianes, la création de 2 classes supplémentaires. D'accord? Donc là, il y a eu effectivement donc l'intervention de l'entreprise municipale pendant ce petit mois de vacances scolaires, puisque par ailleurs, il fallait continuer, je dirais, donc les autres chantiers donc en conséquence. Donc c'est des lianes, effectivement, donc ces types de travaux que je viens de citer. Il faut également, par rapport à l'augmentation des effectifs, mettre aux normes donc les restaurants scolaires. Donc cette opération se poursuit sur le site de Grand Coude, donc une opération également d'envergure qu'on a commencé depuis le mois d'avril de cette année et qui devrait donc se terminer donc en fin d'année. Ensuite, nous avons également donc une autre opération où là elle est beaucoup plus complexe parce qu'elle rassemble à la fois une création de classe, une mise aux normes des restaurants scolaires et également une salle de motricité. C'est une opération lourde qui devrait se porter sur une durée de 1 an et demi et cette opération donc a lieu donc à la crête du deuxième village. C'est donc un réseau scolaire large que la commune de Saint-Joseph a dû gérer de manière globale par sa régie communale et de manière précise et spécifique par ses entreprises municipales. En effet, si la commune avait retenu l'option d'une entreprise privée, elle aurait eu à débourser le double, voire le triple des montants injectés sur les écoles de la commune, soit beaucoup plus que les 535 000 euros. De leur côté, ces mêmes entreprises municipales n'ont pas ménagé leur effort pour accueillir au mieux les écoliers de Saint-Joseph dans leur établissement respectif.